Bonjour la jeunesse. Je sens aujourd'hui que tu vas bien. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais me refaire une tresse. Du coup, je suis prête, je suis habillée, maquillée, on flick, you know. Je vais pas encore vous montrer la couleur de mes tresses parce que j'aime laisser le petit suspense. Je suis une femme de suspense, voilà. Mystery. Je vais du coup aller rejoindre Stella, qui est une grande amie à Winnie, avec qui on a collaboré pour un shooting photo. J'ai mis des photos sur mon Insta, vous pouvez aller voir. Elle fait du make-up, elle fait tout cette meuf, et elle fait de la coiffure aussi. Elle fait même sa perruque elle-même, je trouve ça génial. Et elle a une chaîne YouTube, je vous le note juste ici, comme ça vous pouvez aller voir. Et je le mettrai évidemment en barre d'infos. Elle fait majoritairement du make-up, elle transforme des gens, mais c'est un truc de taré. Je savais pas que c'était possible de autant réussir à changer le visage d'une personne et la rendre so on flick, you know. C'est donc une pote à Winnie qui est ma meilleure amie, que j'avais croisée plusieurs fois en soirée et qui est venue vers moi pour me proposer une collab. J'étais là en mode ok, no problemo. Du coup, ben, on va mettre ça au point. Hâte que vous voyez le résultat et hâte de moi-même voir le résultat parce que j'avoue que je suis un peu stressée. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc on va voir. Gros bisous la jeunesse, à tout à l'heure. Là si t'es là on voit, mais si t'es là on voit moins. Après de toute façon je vais... Voilà les gars, on est arrivé chez Stella. Je vous présente Stella, alias Stella FMI, qui fait du make-up, qui fait de la coiffure, qui fait des perruques, qui fait des vêtements, qui fait plein de choses. Elle fait trop de choses, elle est géniale. Elle est autodidacte, elle fait tout toute seule. Et aujourd'hui elle me fait des tresses. Voilà. Oui, c'est donc là le type de tresse que je vais faire. Ça va être trop beau. Ah ouais, c'est long. Hein. Ah ouais, mais c'est ce que je te dis, c'est vraiment long. Hein. T'es pas obligé de tout faire. Hein. Si je vais couper en deux, ça va être plus que ça. Non, ce sera trop court là. Voilà. Non, je veux pas que ce soit trop court. On va rester là. C'est la première fois que je fais une couleur aussi gore, quoi. Ça, c'est le mystère. Quoi. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Oh, c'est trop beau quand je vois comme ça. J'ai trop hâte. Putain, admirer. Le gel de Stella. On dirait un pot de lessive. Tu vas faire quoi comme forme sur le crâne? Forme, c'est ça que j'étais en train de voir pour faire genre des triangles ou quoi. Oui, j'adore les triangles, je trouve ça trop beau. Quand tu fais des tresses, tu claves les cheveux, tu fais combien de temps? En principe, quand je les fais, je lave mes cheveux. Faut les garder plus longtemps. Ah, ouais. Quand t'as lavé, ouais, mais c'est ça pas gardé, voilà. Et ouais, moi c'est ce que je faisais aussi. C'est pour ça que je me disais, est-ce qu'il faut que je lave mes cheveux ou pas? C'est pour ça que je les ai bien lavés hier, j'ai fait un bain d'huile avant de venir. Oui, c'est ce qu'il faut faire. J'ai vraiment bien respecté mon cheveu avant de venir te voir. Après, j'ai failli oublier. Hein. Je vais te faire quelque chose. En plus, il y a tout le monde qui me dit c'est quand tu refais tes tresses, c'est quand tu refais quelque chose à tes cheveux. Il est temps que tu refasses quelque chose à tes cheveux là. Et là, oui, les gars, est-ce que vous êtes ma tête? C'est non. Est-ce que je peux choisir un petit peu ce que je fais sur ma tête? Merci. J'ai une copine qui arrive, elle va terminer les wigs. C'est vrai? Ouais. Oh putain, c'est trop sympa. Elle a pas le choix. Ma pote, elle me faisait faire les fins aussi, mais moi je suis trop nulle en pressage, je suis hyper nulle. Elle faisait pas les fins et ça ressemblait à quoi? Mais genre, t'avais toujours l'endroit et c'était arrêté, et puis une boule avec moi qui commence, tu vois. Faut pas me demander à moi. Et pourtant, je mettais vraiment l'envie, tu vois, mais impossible, j'étais trop nulle. Avec le cœur. Oui, en plus, tu vois, c'était tellement long que je devais faire comme ça. Alors du coup, je mettais dans ma bouche et je faisais, tu vois, le reste. C'est comme ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Oui, mais moi, quand je me coiffe, tu sais, quand c'est long comme ça, bah, je mets dans la bouche pour le terminer. Je trouve ça tellement beau quand c'est long. En fait, ce que j'aime bien avec des longues mèches comme ça, c'est que tu vois, je peux vraiment faire un gros bun hyper beau, tu vois. Et puis en plus, comme je suis petite, ça fait encore plus long, tu vois. On dirait que je les ai. Ouais, là, ça va bien dépasser tes complexes. Ah, ça va être canon, j'adore. Yeah! C'est sympa. Mais c'est beau hein, quand même. Moi, j'aime bien dans ces couleurs. Là, ça t'arrive jusqu'au genou. Ça, c'est parce que je suis assise. Attends, mais... je suis debout. Putain, mais oui! J'ai l'impression qu'elles sont même plus longues que celles que j'avais fait la fois passée. Elles sont vraiment longues, hein. Et j'ai vu un gars l'autre fois dans le métro qui avait, je crois, et c'était pas des tresses, mais c'était des mèches ou quelque chose comme ça, aussi de fluo comme ça.
Ah ouais. Oh, c'est trop stylé, j'adore. En fait, je préfère faire ça en été justement. C'est parce qu'au moins, tu vois, je peux faire des courbes. Enfin, je peux faire des gros bonnes, tu vois. Et alors, du coup, mes cheveux, ils vont pas dans mon visage et tout. Lydia, Élisée. Enchantée. Enchantée. C'est quoi ton prénom, Lydia? Yedidia. Yedidia, d'accord. C'est pour ça que t'es devant la caméra. Oh, c'est pas grave. Pardon. C'est vert fluo. On appelle ça jaune, oui, c'est du jaune fluo. C'est entre le vert et le jaune fluo. Je laisse la jeunesse définir la couleur que tu aimes. Laissez en commentaire si mes cheveux sont verts ou jaunes. Lâchez vos coms. C'est ce que je disais à Stella, j'aurais pu le faire moi-même, mais la dernière fois que j'ai fait ça, t'avais une boule et puis le frontière. Reste. J'ai eu ça avec la cliente que je faisais, vu qu'elle est arrivée en retard, et elle s'est dit oui, je vais t'amener les boucles. Quand on a commencé, j'ai fait laisse. Parce que ce que tu fais là, je tiens mon image. Donc on va te demander qui t'a coiffé, tu vas dire Stella. Non, non, les boules là, c'est pas moi. J'avais aussi acheté sur AliExpress la même qualité de neige. C'est de la bonne qualité ou pas? Oui, mais c'est juste trop lisse, c'est pas facile à tresser. Ah ouais. Et quoi, les mèches alors qui sont de bonne qualité, elles sont plus frisées ou oui, oui. Plus ondulées alors? Ouais. Voilà, c'est aussi lisse que mes cheveux. Voilà. Je voulais pas aussi couper parce que si je coupais, ça allait glisser. Voilà, tu vas essayer de regarder quand même. Je vais essayer de la garder en moi. En général, c'est en moi que je fais. Ça va, tu respectes là. Elle a la fesse. Ah ouais, ouais, mais je la lave pas non plus. Hein. Moi, je respecte le travail quand même mis dessus. Non, non, je sais à quel point ça prend du temps. Donc, je vais pas la garder pour une semaine. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Je vais la garder. Pas ou à tes cheveux. Non, non. La ah, je pensais cheveux. Que je l'avais coupé là, moi. Ben non. Donner envie, mais c'est vrai que le vert là, mais là je vais peut-être faire gris ou le vert comme là. Ah, je t'ai tenté, j'adore faire ça. Tout le monde part en vacances, je vais vous bloquer tout ça. J'adore la haine. Il y en a une, elle est partie regarde ce que tu fais, tu roules sur les mèches. Appelle-moi Christina Aguilera. Ouais, merci. Merci. Ah, je te donne envie, je suis contente. Mais t'inquiète, elle va jamais le faire. Non. On va la couper de la maison. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, mais moi, mes parents, vraiment, ils se sont fait à l'idée, quoi. Ils ont compris que j'ai un problème, tu vois. Ils ont compris, mais ils me laissent quand même des limites. Quand je fais du rouge, j'ai mon père, papa me demande c'est quoi ça. Mais ils te laissent quand même. Mais ils me laissent. Mais si je fais ça. Là. Il dit ma chérie, je crois qu'il est temps que tu apprennes à payer un loyer. Tu crois où? Ah non, mais t'inquiète. C'est pas le festival. Ah, ici, le fond là? Non, mais je veux. Ah, okay. Non, mais je ah, là-bas, là, c'est vraiment. Ça donne encore plus de couleur, quoi. Oh, bah, à chaque fois que je viens ici, je vois. Ah, c'est trop beau. Ouais, c'est un peu ça. Ça te va trop bien. Ouais, merci.
J'ai un miracle, que là, ça me donne envie de faire un truc comme ça juste pour faire chier le monde. Non, mais vraiment, tu passes, tu entends les gens par contre. Oui, ça, c'est le genre de choses que tu fais, c'est juste pour faire chier le monde. Ah ouais, mais moi, c'est l'histoire de ma vie, ça. Je sors de chez moi, j'entends. Si je veux, t'as mis ses cheveux bleus, et si je veux bleus, si je veux vert. Elle a pas de sourcils. Ah ouais, non, non. Quand je suis rentrée, je me suis dit, elle a pas de sourcils. Une fois, à mon travail, il y avait un gars comme ça qui me regardait comme ça et fait, j'ai une question à vous poser. Vos cheveux, ils sont bruns ou ils sont blonds? J'étais là, non, ils sont bruns. Mais vos sourcils, oui, je les colore. Ah. Ok. En fait, les gens, ils regardent. Parce que le bout, il est blanc, la racine, ouais, les trucs, les bruns. Mais les sourcils sont blancs, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ils me regardaient vraiment, genre, je comprends pas, tu vois. Je suis perdue. Hey. Ah, j'adore. Moi, j'aime bien aussi, c'est ça. Regarde comme c'est beau déjà, rien comme ça. C'est joli, hein. Mais tu mets un petit tissu africain, mais d'une couleur neutre, c'est super beau. Au-dessus ou autour? Enfin, autour, tu vois, tu fais un autre truc, tu lâches un peu, tu rajoutes juste le truc là. Mais d'une couleur vraiment basique, tu vois, un bleu ou un... un truc comme ça, ça va être super. Un truc uni, en fait, tu vois. C'est ouf, quand même. Là, je crois qu'on voit. Je crois qu'on voit, tu vois. Là, tu canon, c'est canon, mais je me dis faut oser. Non, je peux faire ça, mort pas là, on va penser une semaine. Moi j'aime bien, c'est justement vraiment pour avoir les cheveux bien attachés avec un chouette style et tout. Une semaine, franchement, ça doit être cool. J'aime trop. Merci en tout cas, les filles, hein. Franchement, beau boulot, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Et pour votre beau boulot. Bonjour la jeunesse. Bonjour la jeunesse. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve après cette petite escapade dans la nature. Rien à voir. Je suis rentrée à la maison. On a fini mes tresses. Ça n'a pas pris beaucoup de temps cette fois-ci parce qu'elles étaient à deux sur moi. Merci les filles de vous être occupées de ma tête. Je suis arrivée à midi. On a commencé à 13-14h et on a fini à 16-17h. Du coup ça a été plutôt rapide. Rapide et efficace, j'ai envie de dire, parce que le résultat est dingue. Je suis prête à affronter pour un mois toutes les critiques du monde, sachant en plus que je suis dans un bled et que dans les bleds, les gens voient ça d'un mauvais oeil. Mais on s'en fout parce que depuis toujours, je fais ce que j'ai envie. Ça restera comme ça. Voilà, voilà. Oui. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais que vous adorez les vidéos où je change de tête. Ça s'est passé, je recevais des tonnes de messages comme quoi il fallait que je change de coiffure, blablabla. Je respecte quand même un minimum mes cheveux, malgré tout. Si je leur laisse du temps, c'est pour les laisser un petit peu parfois respirer. Je profite également de cette vidéo, évidemment, pour vous dire que les cartes sont sorties et que vous pouvez aller voir sur le site aylidzi.com. Il sera noté sur ma outro qui se passe à la fin de ma vidéo. J'ai changé ma outro, vous allez voir, elle est un petit peu drôle. Et en soi, ben, c'est pas compliqué. Aylidzi.com, ce n'est vraiment pas compliqué. Allez voir, c'est mon travail, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, ça me fait plaisir, ces cadeaux. Allez voir. Je vous fais donc des gros bisous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.